Hey, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te faire une petite vidéo récap de ma commande MyProtein et même de la marque MyProtein. De ce que j'en pense, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est de la merde ou pas? Parce que voilà, j'ai beaucoup de questions en ce moment. Quelle marque de complément prendre? Dame, j'aimerais prendre des compléments. Est-ce que cette marque est bien? Est-ce que cette marque est pas bien? Est-ce que MyProtein c'est bien? Est-ce que MyProtein c'est de la merde? Est-ce que les autres marques c'est bien? Je vais y répondre à tout ça. Bon, je vais pas faire de suspense inutile en disant si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas savoir si j'ai aimé ma commande de MyProtein. Non, non, je suis pas comme ça. Ma commande, je l'ai adorée chez MyProtein. Et je suis surpris. Je suis vraiment surpris de fou. Parce que je faisais partie des gens qui disaient que c'était de la merde. Suite à ce que j'avais vu de la marque auparavant, suite aux échantillons que j'ai goûté au salon du fitness, suite à plein de choses, je disais vraiment que voilà, MyProtein, c'est pas mon truc, je conseille à personne, personnellement. Bon, après, je vais pas faire l'influenceur où je viens sur un tapis roulant, en défilant, en disant prenez, achetez MyProtein. Non, non, je vais pas faire ça. C'est juste que quand tu prends les bons produits de n'importe quelle marque, tu seras satisfait et tu seras content. Quand tu sais quoi prendre et tu sais, à vrai dire, lire les composants, bah tu seras bien. Sachant que moi j'ai pris des produits de base, que ce soit la whey native, du collagène marin, de l'avoine en poudre et des complexes vitaminés, tu vois. Ça c'est la base en complément alimentaire. Bon, j'ai aussi pris des petites friandises, tu vois, les Maltesers sans sucre, mais ça c'était pour goûter, c'était un délire. Et c'était très bon quand même. Là où je valide MyProtein, c'est que dans la commande que j'ai pris, j'étais entièrement satisfait. Tu vois, il n'y a pas un truc que j'ai pris que je me suis fait ah merde, franchement, c'est pas ouf. Après, voilà, j'étais quand même informé, je savais ce que je voulais prendre et j'ai pris des trucs que j'avais réellement besoin, mis à part les Maltesers sans sucre. Mais franchement, je suis entièrement satisfait de MyProtein. Après, on va parler des produits que je ne prendrai jamais chez MyProtein. Enfin, du moins que je ne commanderai pas de moi-même chez MyProtein. Tout ce qui est gainer, tout ce qui est whey avec de la créatine dedans. En fait, tout ce qui est whey avec plusieurs trucs dedans, je ne prendrai pas. Tu vois, je préfère faire un truc artisanal, on va dire, prendre ma whey, prendre mon avoine en poudre et faire mon gainer. Ça sera 1000 fois mieux qu'un gainer chez MyProtein. Ce sera moins sucré et pour moi, ça sera mieux. Et c'est ce que je te conseille aussi. Quand tu vas acheter des compléments alimentaires, quand tu regardes un peu les composants et ce qu'il y a, si tu vois un produit où il y a marqué, par exemple, whey avec des BCA dedans, avec la créatine dedans, avec un booster dedans, tu vois, si tu vois des trucs comme ça, ne prends pas. Prends un truc pur. Du moins, c'est le conseil que je te donne. Prends de la whey pure. Si tu veux faire un gainer, tu prends de la farine d'avoine, tu mets ça dedans et tu prends des trucs de chez toi et tu mets peut-être un peu de miel si tu veux du sucre. Et voilà. Prends de la BCA pure, prends de la créatine pure, prends que des choses pures. Ne prends pas une capsule avec plusieurs trucs dedans. Le seul truc que je peux te conseiller en capsule avec plusieurs choses dedans, c'est les complexes vitaminés. Zinc, magnésium et tout. Parce que ça, voilà, c'est des choses qu'on a réellement besoin. Et franchement, c'est la seule chose que je peux prendre mélangée, on va dire. Pourquoi j'ai pris MyProtein? Pourquoi je suis allé chez eux? Tout simplement que là, on est dans une période difficile. Tu vois, on est dans une période difficile de confinement, de tout ça. C'est dur. C'est très, très dur. Donc, financièrement, il me fallait une marque dans laquelle je pouvais avoir des réductions. Il y a plein de boutiques de compléments alimentaires qui font plein de réductions. Tu vois, je vais pas te mentir, toutes les marques, les boutiques indépendantes, il y a des réductions partout. Mais MyProtein, niveau réduction, ils sont au-dessus. Tu vois, ils sont au-dessus niveau réduction. On va pas se mentir. Peut-être que niveau qualité, non. Mais niveau réduction, ils sont au-dessus. Et en plus de ça, tu as les codes promo des influenceurs jusqu'à 40% voire plus si tu as la chance qui allège ta commande de fou, tu vois. Et tu payes, on va dire, ta commande presque à moitié prix. Et je dirais que tu gagneras plus d'argent en commandant chez MyProtein qu'en commandant chez un fournisseur indépendant, malheureusement. Sachant que les fournisseurs indépendants, j'en connais, j'en soutiens beaucoup, mais voilà, là on est dans une situation où
Moi, soutenir financièrement, c'est compliqué. Déjà, me soutenir moi-même, c'est dur. Donc, soutenir quelqu'un d'autre financièrement, c'est dur. Donc, je cherche la promotion, la réduction, la petite offre. J'ai pas le choix. Et il faut savoir que je voulais tester aussi MyProtein parce que j'ai longtemps critiqué, j'ai longtemps bavé sur la marque, tu vois. Mais je me suis dit, voilà, la marque était dans une grosse polémique à un moment donné. Ils ont changé d'image, ils ont changé de logo, ils ont changé plein de choses dans l'interface de leurs produits et des composants et tout. Et ils ont fait une gamme de produits, on va dire, un peu plus cher, premium, tu vois. La whey native pure, du marine collagène, tu vois. Ils ont fait plein de choses qu'ils ne me faisaient pas avant. J'ai décidé de tester ces choses-là parce qu'il faut savoir que tout ce qui est whey pur et tout, c'est un peu plus cher. C'est plus cher, mais c'est mieux, tu vois. Donc, je voulais tester pour faire ma propre avis avec une vraie commande de MyProtein. Pas une commande sponsorisée, pas un truc. Non, c'est une commande où l'argent sort de mon taf, tu vois. Et franchement, je suis surpris. Je suis vraiment surpris, je suis vraiment heureux. Et je pense même que quand mes produits seront finis, je vais encore commander chez MyProtein. Niveau rapport qualité-prix et pureté des produits, je pense que je vais rester chez eux. Après, franchement, niveau partenariat et tout, c'est pas la marque qui m'aurait intéressé. Je dis pas que j'accepterai pas si on me demande, tu vois. C'est juste que leur système de code promo, il est un peu bizarre. Dans le sens où, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo, un code promo d'un ami qui est à 10% et pas le même code promo d'un influenceur plus connu qui est à moins 30, moins 40%. Et moi, je suis quelqu'un qui est dans la franchise, tu vois. Je suis quelqu'un qui reste dans la réalité. Si jamais j'ai un code promo de 10%, je vais pas te dire de prendre mon code. Je vais te dire, si tu veux me soutenir, prends mon code, mais franchement, si t'as un moins 40% d'un autre influenceur, va prendre son code. Pourquoi tu vas te faire chier avec un 10%, sachant que tu peux avoir 40%? Et ça, je trouve ça bizarre. Si on arrive à une marque qui donne un moins 10% fixe à tout le monde, ok. Mais si les plus connus sont à moins 40 et les moins connus sont à moins 10, je trouve ça bizarre. Et malheureusement, c'est pas des choses qui sont dans mes valeurs. Donc voilà, c'était une petite vidéo simple, rapide sur MyProtein, sur ma commande, sur mon ressenti après MyProtein. Tu peux prendre des compléments alimentaires de chez MyProtein, mais mon conseil c'est de prendre des choses pures, des choses avec un ingrédient dedans, tu vois. Enfin, si c'est de la whey, c'est de la whey pure. Si c'est de la BCA, c'est de la BCA pure. Si c'est un booster, c'est pas un booster avec des BCA créatine tout dedans. Non, essaye de prendre des choses pures. Mais du moins, c'est beaucoup mieux. Franchement, c'est beaucoup mieux. Bon, sur ce, abonne-toi, like, partage. Moi, je vais faire un petit training et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.